C'est quoi la première chose que tu fais s'il y a le feu chez toi? Je prends mes enfants puis je sors de la maison. J'appelle 911. Je sors de la maison. OK. Puis ensuite, j'appelle les pompiers. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que tu fais si l'accès à ta sortie est bloqué? Est-ce que tes enfants savent quoi faire? Ou sinon, qui va les chercher? Ça peut être moi. Est-ce que vous avez un point de ralliement à l'extérieur? Je sais qu'à l'école, c'est dans le parking à côté, mais à la maison, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Savais-tu qu'en cas d'incendie, tu disposes d'un maximum de 3 minutes pour évacuer ta résidence? C'est pas long. Et pourquoi on dit tout ça? C'est parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. Et comme tu peux voir, il y a beaucoup de choses à penser quand tu veux faire un plan d'évacuation. Pour t'aider à faire le tien, va sur ce site pour trouver tous les détails.